Nouvelle manifestation ce samedi en Birmanie. Un peu partout dans le pays, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour demander le départ de la junte au pouvoir. C'était le cas à Dawei, notamment dans le sud, où des marches pacifiques se sont déroulées à la tombée de la nuit vendredi. Alors qu'un représentant spécial de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est devait se rendre à Rangoon, les militaires ont fait savoir qu'ils refusent finalement cette visite, faisant valoir lors d'un discours télévisé que la priorité est à la stabilité et à la sécurité. Le 24 avril dernier, un consensus avait pourtant été trouvé lors d'un sommet extraordinaire de l'ASEAN. Les militaires s'étaient engagés à cesser la violence et à lancer un dialogue constructif et à accepter la visite d'un envoyé spécial de l'organisation. La volte-face de la junte inquiète donc les observateurs qui craignent la survenue d'un nouveau cycle de répression. Près de 800 personnes ont été tuées et 3700 emprisonnées depuis le coup d'État le 1er février dernier.